Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15h, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de cette édition. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 23e séance du Conseil des ministres. Et après la mort de Ali Abdallah Saleh hier, le Yémen est au bord du gouffre. Voilà, donc c'était les titres. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 23e séance du Conseil des ministres. Le Conseil s'est penché sur 13 questions inscrites à l'ordre du jour. La première a concerné un projet de loi sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres grades établis par des institutions africaines versées dans l'enseignement supérieur. Puis les ministres ont examiné les projets de budget pour l'année 2018 de l'Université de Djibouti, du Centre d'études et de recherche de Djibouti, de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Les cinquième et sixième questions sont des projets de décret fixant les modalités d'exercice des droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que les règles et procédures et fonctionnement des organes chargés de la gestion des statuts des réfugiés en République de Djibouti. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 23e séance du Conseil des ministres en ce mardi 5 décembre 2017. Était inscrit à l'ordre du jour 13 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention sur la reconnaissance des études et des certifications, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique. À travers cette convention, les États d'Afrique cherchent principalement la reconnaissance des qualifications parmi les pays de la région. La nécessité de consolider l'intégration universitaire, d'élaborer et mettre en œuvre des cadres de qualification pour appuyer ce processus. Cela requiert une stratégie d'harmonisation de l'enseignement supérieur afin de faciliter la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur, d'encourager la mobilité des étudiants et des enseignants et d'améliorer les processus d'internationalisation au niveau des systèmes et des institutions. L'adoption de la Convention d'Addis Abeba représente un jalon important pour l'enseignement supérieur en Afrique et constitue le point de départ de notre action commune pour soutenir et favoriser son application. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2018 de l'Université de Djibouti. Ce budget 2018 de l'Université de Djibouti s'équilibre en produits et en charges à 3 412 181 246 francs Djibouti, soit une augmentation de 4%. La subvention demandée dans le budget national 2018 est de 3 111 922 740 francs Djibouti. Elle est en augmentation de 9% par rapport à celle de 2017. Cette augmentation est essentiellement liée au recrutement des enseignants lors de la rentrée universitaire 2017-2018 et au fonctionnement du nouveau campus de Balbala. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti pour l'exercice 2018. Ce budget 2018 du CERD est arrêté en produits et en charges à 882 707 692 francs Djibouti. Ce budget a été élaboré pour assurer la continuité des programmes d'études et de recherche de l'établissement. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2018 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Ce budget prévisionnel s'équilibre en produits et en charges à 315 635 590 francs Djibouti. La subvention demandée au budget national est de 292 715 590 francs Djibouti. Les ressources propres de l'ISSS sont égales à 22 920 000 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret fixant les modalités d'exercice des droits fondamentaux des réfugiés et des demandeurs d'asile en République de Djibouti. Les principales dispositions de ce projet de décret portent sur la possibilité pour les réfugiés et demandeurs d'asile d'avoir les droits équivalents ou proches avec les nationaux. L'attestation délivrée par l'ONARS aux demandeurs d'asile, dûment enregistrés bien entendu, à une validité de 6 mois renouvelable. Les demandeurs d'asile ont également accès aux services sociaux sous réserve des ressources disponibles. La sixième question concerne le projet de décret
fixant les règles de procédure, les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes chargés de la gestion du statut des réfugiés en République de Djibouti. Le présent projet de décret permet la mise en place des organes compétents en matière d'éligibilité au statut de réfugié, ainsi que leur organisation et leur fonctionnement. La mise en place d'une commission nationale d'éligibilité composée de 8 membres, ainsi que la mise en place d'une commission nationale de recours composée de 6 membres. La mise en place de ce projet de décret assurera une meilleure gestion des demandes d'asile et une meilleure assistance et protection aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Les ministres ont ensuite examiné les projets de budget pour l'année 2018 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, de la Caisse militaire des retraites, de l'aéroport international de Djibouti, de la Société internationale des hydrocarbures et de la Caisse nationale de la sécurité sociale et de l'ADDS. On écoute le compte-rendu du porte-parole. La septième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Le budget prévisionnel de l'ANC est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 253 598 660 francs Djibouti et se présente en produit à 253 598 660 francs Djibouti et en charge à 253 598 660 francs Djibouti, dont en investissement à 118 millions de francs Djibouti. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de la Caisse militaire de retraite. Ce budget prévisionnel de la CMR s'élève en recettes à 1 497 067 059 francs Djibouti et en dépenses à 2 096 245 709 francs Djibouti. La neuvième question est relative au projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'aéroport international de Djibouti. Le projet de budget prévisionnel de l'aéroport pour 2018 est estimé en produit à 3 242 284 308 francs Djibouti et en charge à 3 134 610 063 francs Djibouti. Les investissements sont estimés à 40 millions de francs Djibouti. La dixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2018. Le budget prévisionnel de l'ONEAD pour 2018 donc dégage un résultat bénéficiaire de 59 288 589 francs Djibouti avec en produit un montant de 6 801 776 469 francs Djibouti et en charge à 6 742 487 880 francs Djibouti. La onzième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Les recettes prévisionnelles de la SIDH sont estimées à 32 611 681 218 francs Djibouti et proviendront essentiellement de la vente des produits pétroliers. Les charges prévisionnelles totalisent le montant de 32 012 751 494 francs Djibouti. En dépit de la faiblesse des marges commerciales de la SIDH, le compte d'exploitation affiche un bénéfice net de 598 929 724 francs Djibouti. La douzième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2018 de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Ce budget provisionnel de la CNSS s'établit en dépenses à 20 375 020 360 francs Djibouti et en recettes à 23 829 340 000 francs Djibouti. Il dégage donc un résultat excédentaire de l'ordre de 3 434 319 640 francs Djibouti. Cette augmentation des cotisations s'explique par l'augmentation du nombre de cotisants, donc une création d'emplois effective sur le marché du travail. La treizième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 de l'Agence djiboutienne de développement social. Ce budget prévisionnel 2018 de l'ADDS s'établit en charge et en recette à 432 985 000 francs Djibouti et en investissement à 3 milliards
452 millions 071 000 francs Djibouti. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a adressé donc hier un message de félicitations à son homologue des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé ses vœux d'excellente santé et de bonheur à Cheikh Khalifa Al Nahyan, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère et ami des Émirats Arabes Unis. Il a saisi cette occasion pour rappeler les liens étroits et privilégiés qu'entretiennent les deux pays dans de nombreux secteurs, dans le développement des infrastructures portuaires et la logistique. Le chef de l'État a enfin réitéré à son homologue émirati toute sa disponibilité, celle du gouvernement ainsi que la volonté du peuple djiboutien afin de resserrer les liens d'amitié entre les deux nations et d'accroître le niveau des échanges. Un autre message a également été adressé au vice-président, premier ministre des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier après-midi une forte délégation de l'Association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique. Cette délégation a suivi avec intérêt la foire commerciale internationale de Djibouti et les travaux de la conférence sur l'intégration économique régionale. Cette association œuvre pour le renforcement des liens de coopération entre le Japon et les pays africains. La délégation nippone était accompagnée par notre ambassadeur de Djibouti à Tokyo, Ahmed Alaita, et l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Tatsuo Arai. Le Premier ministre a souhaité donc la bienvenue à ses hôtes et a mis en exergue le soutien multiforme qu'apporte le Japon à notre pays dans de nombreux domaines et de longue date. Il s'est félicité de la qualité des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Et pour sa part, le président de l'association japonaise a remercié le Premier ministre et le gouvernement djiboutien pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a souhaité un renforcement de la coopération entre Djibouti et le Japon. Et dans le cadre de la modernisation de son système d'information sanitaire, le ministère de la Santé s'apprête à mettre en place une plateforme de gestion des données informatiques communément appelée DHIS2. Développée par l'université d'Oslo, cette plateforme, communément appelée District Health Information Software, est adoptée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde, dont une quarantaine en Afrique. À travers la mise en place de ce logiciel, le ministère de la Santé entend uniformiser la production des données sanitaires et disposer d'un système d'information sanitaire performant et innovant. Aussi, une session de formation au profit de 32 cadres sur l'utilisation de ce logiciel se déroule actuellement au Sheraton Hotel. Cette session de formation doit durer une dizaine de jours. Deux experts spécialisés dans la collecte des données et leur gestion animent cette formation. Une plateforme qui nous permettrait de collecter des données en temps réel, des données sanitaires en temps réel. Le pays s'engage aujourd'hui à lancer cette plateforme. Cette plateforme nous permettra de mettre en place une base de données où les gens pourront directement poster ou mettre en ligne, comme on appelle leurs indicateurs, qui seront directement disponibles au niveau central. Ce qui nous permettrait d'avoir un système d'information sanitaire beaucoup plus performant. Nous venons de lancer la première formation des formateurs. Cette formation va durer 10 jours et va être sanctionnée par un certificat en bonne et due forme délivré par l'Université d'Oslo. Et en ouvrant cette session de formation, l'inspecteur général du département de la santé, Dr Salah Benoïta, a indiqué que ce système informatique permettra d'avoir accès en un seul clic à l'information sanitaire et en temps réel. Nous l'écoutons. Cette séance aussi permettra de former les cadres du ministère de la Santé, les gens aussi qui sont chargés au niveau du gouvernement, de mettre sur le système gouvernemental tout ce qui concerne les informations sur le système de santé. Pour ce faire, je veux mettre un accent particulier sur le suivi des travaux qui seront réalisés par l'équipe du ministère de la Santé et l'équipe de formateurs. La plateforme que vous allez lancer aujourd'hui intégrera toutes les données de morbidité et de surveillance sur les risques et les données relatives à la santé, notamment les informations sur les infrastructures, le personnel. Les outils privilégiés seront la gestion du système d'information sanitaire au niveau du ministère de la Santé. Notre manière de fonctionner sera plus adéquate et nous aurons une bonne mesure d'information vitale en cas de besoin et en cas de nécessité pour pouvoir prendre des décisions convenables
et gérer un système de santé qui répond à temps aux attentes de la population. Je voudrais insister sur le fait que c'est un travail très sérieux. C'est un travail stratégique du ministère de la Santé. L'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous nous retrouvons juste après. Inna s-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en partenariat avec l'Union européenne, a lancé un atelier de formation sur le renforcement des capacités à mieux résister aux effets des changements climatiques. L'Union européenne a apporté son appui à travers son fonds pour l'environnement. Des cadres, des techniciens issus de plusieurs départements ministériels ont pris part à cet atelier de formation qui leur a permis d'avoir une compréhension des enjeux liés au changement climatique. Ces derniers devront à leur tour vulgariser ces problématiques aux populations concernées
afin qu'elle s'y prépare et s'y adapte. Plusieurs autres personnalités donc ont assisté à l'ouverture de cette session, dont le secrétaire général de l'environnement et des experts de l'Union européenne ainsi que des représentants de la société civile. Le niveau de la mer et les sécheresses représentent les principales. N'émettent qu'une faible quantité des gaz à effet de serre et pourtant subissent de plein fouet les effets néfastes du changement climatique, alors même qu'ils manquent de moyens pour s'adapter à ces effets. Alors, les pays développés, principaux responsables du changement climatique, ont un devoir envers les pays en développement. De nombreuses actions peuvent être prises pour limiter les effets du changement climatique et s'adapter à ses conséquences tout en améliorant la vie des gens. Évidemment, ces actions ont un coût. À travers ces outils d'aide et développement, principalement le Fonds européen de développement, on l'appelle le FED, mais aussi par d'autres lignes budgétaires, l'Union européenne participe au financement de l'adaptation au changement climatique. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdel Omar, a rappelé la mobilisation mondiale visant à atténuer les effets néfastes du changement climatique à travers la mise en place des instruments juridiques militants en faveur de la protection de notre planète, comme la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On l'écoute. Mesdames et messieurs, la tenue qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national de Djibouti. L'objectif de cet atelier de formation est de fournir aux participants les informations essentielles, les outils nécessaires et les connaissances pratiques sur les dispositions de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de ses instruments de mise en œuvre. En d'autres termes, cet atelier a pour but de renforcer les capacités techniques de toutes parties prenantes sur les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et d'échanger sur les perspectives d'action climatique à Djibouti suite à l'accord de Paris. Au cours de 3 jours de formation, les thèmes tels que le mécanisme pour un développement propre, les mesures d'atténuation appropriées au niveau national, le système de mesures, notification et vérification, le décryptage de l'accord de Paris et le mécanisme de financement seront abordés. L'apprentissage, l'acquisition et l'appropriation de ces différents outils et concepts permettront sans aucun doute de renforcer les capacités techniques des différentes institutions pour ainsi pleinement répondre aux enjeux liés à la lutte contre le changement climatique. Une meilleure connaissance de ces outils et concepts sont en effet nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la contribution déterminée au niveau national et pour respecter l'engagement que Djibouti a pris dans le cadre de l'accord de Paris. Également dans l'actualité, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques a organisé un atelier de formation de 4 jours sur les bonnes pratiques agricoles des cultures maraîchères, fruitières et fourragères dans les CDC du village de Daasbio dans la région d'Alissabié. Il a réuni une trentaine d'agriculteurs de ce village et de ses alentours, notamment les propriétaires des périmètres agricoles de Douré et Faradil. La cérémonie d'ouverture a vu la participation du préfet adjoint et de la région, Mohamed Ahmed Abbas, et du directeur général régional de l'agriculture et un représentant du conseil régional. Cet atelier de formation sur les bonnes pratiques agricoles s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au système de production communautaire et renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité de communautés pastorales. De nombreux jeunes Djiboutiens se prennent en main, donc ouvrent leur propre société ou entreprise. Beaucoup se lancent également dans le commerce. Et une vingtaine de ces jeunes donc ont profité de divers ateliers de formation sur la gestion des entreprises et des encouragements du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour entreprendre. Certains ont ouvert donc des boutiques de vente des pièces détachées pour véhicules. Beaucoup s'estiment donc heureux de pouvoir intégrer le circuit commercial et économique du pays. Ils ont pris conscience donc que l'État n'est plus pourvoyeur d'emplois.
Autre nouvelle du pays, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a franchi un nouveau cap dans le projet d'installation des CLAP, les centres de lecture et d'animation culturelle à Djibouti. Et on est dans ce cadre, donc, après le choix des CDC devant accueillir cet outil d'importance majeure pour les jeunes, l'inspecteur général Moussa Ali Mohamed, appuyé par la directrice de la jeunesse, Asli Mohamed, qui est également coordinatrice nationale de ce projet. Et Omar Hassan a organisé donc ce matin au CDC du quartier 7 une formation sur la gestion des CLAP au bénéfice des directeurs et des animateurs des CDC de la capitale et des régions. Cette formation, donc, qui devra durer plusieurs jours, a débuté en présence du directeur des CDC, Abdoussou Ousmane, ainsi que des hauts cadres du département. Est-ce que le CLAP et le CLAP, non seulement cette formation est peut-être un peu trop courte, mais vous pouvez intervenir, apprendre beaucoup plus à travers l'Internet. Parce qu'il y a un projet, ce projet-là, il figure là-dedans, avec toutes ces données, toutes ces bases de données sont là-bas. Et je vous souhaite bonne chance et déclare ouvert la séance de formation. Merci. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et africaine avec Ali Abdoulaye. Bonjour Ali. Alors Ali, après la mort de Ali Abdullah Saleh hier, le Yémen est au bord du gouffre. L'ex-président du Yémen a été tué donc hier, rappelons-le, à Sana'a, 48 heures après sa décision de mettre fin à son alliance avec la rébellion Houthi. De son côté, l'actuel président Abdurrabbou Mansour Hadi a appelé les partisans du président Ali Abdullah Saleh de rejoindre le pouvoir légitime et qu'une amnistie leur sera accordé. Eh bien, pour parler de la situation qui prévaut au Yémen, le président Ali Abdullah Saleh donc, a été tué. La voiture blindée de l'ancien président a été stoppée par un tir de roquette alors qu'il quittait Sana'a vers des zones tenues par des forces pro-Salih. Puis l'ex-président a été abattu. Son secrétaire général adjoint au CGP, Yasser Al-Aouidi, a également été tué selon plusieurs sources au sein du parti de l'ex-président. Un convoi de 4 véhicules a été bloqué à environ 40 km au sud de la capitale. Saleh a été tué par balle avec deux hauts dirigeants du parti. Hier, le président yéménite Abdurrabbou Mansour Hadi, à la tête du gouvernement, a reconnu par la communauté internationale, a annoncé une opération pour reprendre la capitale Sana'a et appeler les partisans de l'ancien président à rejoindre le pouvoir légitime. Dans un discours retransmis sur Al-Masira, le chef rebelle Abdelmalek Al-Houthi, 38 ans, s'est félicité donc en soirée de l'échec du complot sans mentionner la mort de l'ex-président Ali Abdullah Saleh. Et au Zimbabwe, Ali, le président Emmerson Mnangagwa a formé donc un gouvernement composé essentiellement de ses proches amis qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Eh bien, au Zimbabwe, les ministres nouvellement nommés dans le gouvernement ont prêté serment hier malgré les critiques sur la nomination controversée de hauts responsables militaires à des postes stratégiques. Pour l'opinion publique, cela s'apparente à une récompense de l'armée pour son rôle dans l'éviction de l'ancien président Robert Mugabe. Ceci dit, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a ramené Patrick Chinamaza comme ministre des Finances en dépit de son précédent bilan qualifié de chaotique. Le major général Sibusiso Moyo devient ministre des Affaires étrangères et le maréchal de l'armée de l'air Perence Chiri a hérité du sensible portefeuille de la gestion des terres. La plupart des Zimbabwéens, se souviennent de Moyo comme du général vêtu du kaki qui a annoncé à la télévision d'État à l'aube du 15 novembre la prise du contrôle militaire qui a mis un terme aux 37 ans du règne de Mugabe. Et enfin, l'Afrique du Sud, Ali, et le Maroc ont rétabli leurs relations diplomatiques. Et l'Afrique du Sud, donc, avec l'Algérie, les pays donc, qui, jusque-là, soutiennent les Sahraouis du Polisario. Le Maroc et l'Afrique du Sud renouent leurs relations diplomatiques 13 ans après le rappel par Rabat de son ambassadeur à Pretoria. Le royaume chérifien va bientôt envoyer un ambassadeur dans la capitale sud-africaine.
journalistes qui filtrent d'un entretien que vient d'accorder le président Jacob Zuma à l'hebdomadaire dominical sud-africain City Press. Le Maroc est une nation africaine. Il est normal d'avoir des relations diplomatiques avec eux, a relevé le président sud-africain Jacob Zuma. Cette sortie médiatique du chef de l'État sud-africain intervient quelques jours après des discussions qu'il a eues avec le roi du Maroc, Mohamed VI, en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud et le royaume chérifien n'entretenaient Ahmad plus de relations diplomatiques officielles depuis 2004 en raison du soutien apporté par l'ancien président Thabo Mbeki aux aspirations indépendantistes du Sahara occidental. Ce changement de cap, la diplomatie sud-africaine fait déjà des renouveaux au sein de l'ANC, donc le parti qui semble rester fidèle à sa position pro-sahraoui. Merci Ali pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé-Djibouti.